Bonjour, je me parle d'Evo Sénégal. Donc voilà, au niveau de deuxième ligne, il y a plusieurs styles ou profils dans la deuxième ligne. Et vous avez vu, bien sûr le numéro 5 en France qui pousse plutôt à droite, qui est plutôt un moteur dans l'équipe. On dirait quelqu'un qui fait le sale boulot. Il est très souvent un peu plus lourd que l'autre deuxième ligne, plus musclé, on va dire. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est mon rôle dans l'équipe. Après, vous avez les autres deuxième ligne, plus des sauteurs qui gèrent les touches et qui poussent à gauche et peut-être plus à l'aise avec le ballon. À main. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est celle de numéro 5, plutôt pousseur, quelqu'un qui doit amener son poids, son rigueur dans le regroupement et surtout dans des phases de conquête et bien sûr aussi des rooks. Avant de rentrer sur le terrain, quand tu es dans le tunnel, à quoi penses-tu ? Pour moi, c'est vraiment d'être efficace d'abord. Dans tout ce qui est ballon porté, plaquage, des rucks et surtout le contre des ballons portés des autres équipes, c'est quelque chose qui vraiment me agace ou agite. C'est si l'autre équipe il réussit de faire un bon ballon porté. Et ensuite vraiment de l'efficacité. Après, oui, le combat c'est très important. Je ne suis pas quelqu'un qui parle trop avant le match, dans le vestiaire et tout ça. C'est vraiment de préparer, d'être efficace et amener ce combat qui est très important. Donc dans le tunnel, c'est plutôt vraiment ça, c'est d'être efficace et pénible, comme tu dis, oui. La concrétisation du travail d'un ailier ou d'un buteur, c'est marquer un essai ou une pénalité. Comment vois-tu la finalité de ton travail ? Une fois de plus, c'est pour moi, chaque match que j'attaque, c'est plutôt au niveau de défense, de chercher 100% d'efficacité au niveau de plaquage, de vraiment faire beaucoup de soutien, d'être efficace dans la mêlée, de pousser derrière mon pilier, de faire avancer mon pilier, notre ballon porté, arrêter le ballon porté des autres et vraiment d'essayer de provoquer les autres joueurs parce que tant qu'ils sont sur moi, de battre avec moi, ils ne sont pas encore fait pas leur boulot. Donc aujourd'hui, c'est mon rôle et oui, c'est ça là, c'est pas le boulot peut-être qui est très apprécié par le public, mais c'est un boulot qui moi j'aime, j'adore, et chaque fois que je fais un très bon plaquage ou un déblayage qui est très efficace, un ballon porté, ça c'est mon essai à moi, c'est, je prends la fierté dans ça et j'ai pas besoin de toucher des nouveaux ballons ou marquer des essais si à cause de mon boulot que je fais des autres marques, ça me va. Il y a la provocation physique, tu en as parlé. Est-ce qu'il y a aussi de la provocation verbale ? Oui, bien sûr. Après, des fois, c'est peut-être mieux qu'il n'y a pas de micro tout autour de rugby, terrain de rugby, parce qu'il y a des grands mots qui sortent, il y a des provocations verbales qui sort et voilà, c'est un jeu aussi de voir qui va jouer, mais parfois ça suffit de faire un petit clin d'œil, envoyer un bisou ou des choses comme ça suffit et c'est surtout des petits gestes comme ça qui dérangent.